Aujourd'hui, le collège Léon Gambetta de Riedisheim reçoit une invitée de marque. C'est Frédéric Mechler, journaliste depuis près de 30 ans à la rédaction mulhousienne du journal L'Alsace. Mais elle n'est pas venue seule. Bonjour à tous. Donc, on est venu pour vous rencontrer parce que vous avez pu découvrir... Devant des élèves de 3e, elle présente ce livre, le parcours d'un jeune Afghan qui a fui Kaboul pour arriver à Mulhouse. C'est l'histoire d'Abdul Malik Faizi que j'ai rencontré en 2012 et on a fait ce livre ensemble. Et donc, comme j'explique aux élèves, quand on écrit un article dans le journal, c'est un caractère très éphémère. On sait qu'il y a des gens qui le lisent ou pas. Et après, il disparaît, il part au vieux papier. Et le fait d'avoir pu écrire un livre avec cette histoire, ça a permis d'ancrer cette histoire dans la durée. Moi, mon objectif, si des histoires comme ça pouvaient être partagées par plus de gens, je pense qu'on pourrait trouver d'autres réponses que celles qui sont apportées actuellement à ce traitement de la question des réfugiés, des mineurs isolés qui arrivent ici et qui sont démunis, qui ont besoin d'accompagnement. C'est notamment pour cet engagement qu'elle s'est vue décerner en janvier dernier le prix 2018 du Club de la presse de Strasbourg. Pour autant, elle continue d'intervenir régulièrement auprès de jeunes. Ce que je trouvais très intéressant, c'était son engagement en tant que Française, en tant que citoyenne, et de montrer que nous, en tant que Français, en tant que citoyens, et nos élèves sont des futurs citoyens, comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans l'intégration des migrants. Qu'est-ce que j'ai éprouvé comme sentiment ? Et l'implication de la journaliste touche également les élèves. J'ai lu le livre et je trouve vraiment que c'est quelque chose de très bien fait, très bien construit. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. Et je pense qu'elle s'investit vraiment très, très beaucoup, enfin beaucoup dans son travail et que c'est vraiment quelque chose de bien ce qui est rendu à la fin. Elle sait développer ses arguments et on voit qu'elle sait ce qu'elle dit. Et donc, c'est quelqu'un qui sait transmettre les émotions car on ressent quelque chose quand elle parle. Je suis arrivé 9 mois après en France. Abdul Malik Faizi a fait confiance à Frédéric Mechler en lui livrant le récit de son voyage. Entre eux, un lien fort est né. C'est que quand j'avais besoin, dans des moments très difficiles, elle était à mes côtés. Mais aujourd'hui, quand j'ai une bonne nouvelle, je l'appelle tout de suite parce que ça me fait plaisir aussi de partager. Donc c'est plus qu'une amie. Voilà. Et eux, ils sont partis de suite. L'illustrateur de presse Berbose, lui aussi, connaît bien Frédéric Mechler. Elle a besoin de se sentir concernée par leur histoire et c'est cette histoire-là qu'elle a envie de restituer. C'est toujours un investissement de sa part. Et c'est pas du tout un journalisme dégagé. Alors elle a fait, sur le livre que j'ai illustré, tout un travail de recherche, vraiment d'enquête quasi policière qui demande une rigueur. Et qu'elle a, mais il n'empêche que sinon, dans tous les cas, elle est toujours en empathie et très concernée. Ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier et je ne m'ennuie pas du tout. J'ai toujours autant de plaisir à faire ce travail parce que c'est, y compris dans une petite ville comme Mulhouse, on peut faire des rencontres vraiment passionnantes et raconter la vie des habitants et voir... les choses qui se construisent ensemble et aussi parfois de parler des difficultés de cette ville. Je pense que c'est un sujet inépuisable. Je pense que toute une vie ne suffirait pas à faire le tour de la question. Il reste donc à Frédéric de nombreux articles à réaliser pour dévoiler aux lecteurs toutes les aspérités de Mulhouse et de ses habitants.